Prince George a demandé du slim de dinosaure au Père Noël. L'an dernier, le prince George avait placé une voiture de police en première ligne de sa lettre au Père Noël. Cette année, le futur roi d'Angleterre a craqué sur la pâte gluante et fluo dont raffolent tous les gamins du monde entier. C'est en tout cas ce qu'affirment différents témoins présents dans les rayons du grand magasin Terange, situé à proximité de Sandringhamouse, la résidence royale dans le Norfolk où la reine et sa famille fêteront Noël ce soir. 4, dont les relations avec sa belle-sœur Meghan étaient plus que tendues ces derniers jours, a été vue hier en compagnie de ses enfants George et Charlotte. Au rayon jouets, le petit garçon s'est arrêté devant un pot de slim contenant un petit dinosaure en plastique et a demandé à sa maman s'il serait autorisé d'en avoir un comme celui-ci pour Noël. La duchesse de Cambridge, habillée en simple jean, bottines et veste en tweed, a réservé sa réponse, laissant durer le suspense et la magie de Noël. De son côté, la princesse Charlotte, appelée ma poupée par sa maman pendant cette séance shopping de dernière minute, n'a pas manifesté de désir particulier en passant devant les jouets proposés dans ce magasin plutôt spécialisé dans le bricolage, le jardinage et le mobilier. Sans doute est-ce déjà l'effet de la super nanny très stricte qui accompagne désormais partout les petits héritiers et qui les forme aux bonnes manières et traditions protocolaires. Les enfants de William et Kat rêvent des mêmes jouets que tous les bambins de leurs âges, mais ils n'ont pas le loisir d'exprimer leurs envies comme tout le monde en revanche.